بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، تمسكوا بكتاب الله وسنة نبيه تفلحوا. ألا إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله مع الجماعة، ومن شذ شذ في النار. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Tu connais pour l'un, celui qui est de nos privilèges, vous nous retrouve, moi Ramadan. Nous proclamons ce grandeur, nous témoignons son unicité, nous déclarons qu'il n'y a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Nous témoignons que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'Allah sur ses vitaires et l'Allah sur mes sasés. Pour sa première Jumma de mois Ramadan, ce qui nous est proposé, c'est une introduction. Quelque chose qui nous connaît, qui nous tend tous les années. Mais vu l'ampleur, vu l'importance de ce mois-là, l'événement important qui, moi-même et nous tous ici, nous fait nous-mêmes rappel sa vérité par rapport à sa mois, grand mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, nous sommes capables d'appeler comme le mois de l'amour. Le mois de l'amour. Depuis son commencement jusqu'à sa finition, et bien après, par conséquence de l'action qu'il nous fait dans ce mois-là, tout est caractérisé par l'amour. Et dans le verset qui me l'a dit dans l'introduction, Allah fait comprendre. Au ban kena iman, kutiba alaykum usriyam. Rosa fin fait faraz l'ozot, pareil comme les chi faraz l'oban kitiaman zot, la'allakum tattaqoun. Afin qu'ils ont gagné taqwa Allah, afin qu'ils ont développé taqwa. Et taqwa en lui-même, c'est un sentiment spécial, une relation spéciale avec Allah, kot ena l'amour, ena la prière, et ena l'espoir. Trois éléments qui sont bien présents, qui quand les mêmes de la forme taqwa Allah. Et il y a un grand imam, Ibn al-Qayyim, rahimahullah, l'explique, lui donne ça lien là comme une façon qui, d'après sa compréhension, commence à opérer. Il fait comprendre qu'il qalb fi sayrihi ila Allah azza wa jal bi manzalati at-ta'ir. Ce qui nous l'équerre, dans son amas vers Allah. Dans ce cheminement vers Allah, il est comme un oiseau. Ra'souhu fal mahabba ra'souhu. Et sur la tête, ce oiseau-là, sur la tête, c'est l'amour. Wal khawf wal raja janahahu. Et sur deux les ailes, un les ailes, c'est l'espoir, l'autre les ailes, c'est la frayeur. Une jolie analogie fait comprendre qui, point de départ, dans lequel il y a un peu comme ça, oiseau qui sur la tête. Sur la tête, c'est l'amour, sur les ailes, c'est l'espoir et la frayeur.
Et quand nous avons la réalité dans lui-même, tout dans sa moi-là, il centre effectivement dans sa notion, de taqwa et dans sa notion de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Quand nous avons qu'il soit ban verset 1, ban hadith qui cause conscience dans le ramadan, invariablement, quand nous regardons la réalité de l'amour, l'amour entre un couple qui ne fait que marier, un monsieur et une madame, et un plaisir, si, une manifestation de cet amour-là. En gros, nous sommes capables de gagner 5. Générosité. Chacun généré envers l'autre. Une notion de surprise. Surprise. Ou faire surprise, ben, surtout quand ça dit qu'il y a en face de l'amour. Débordant pour lui. Surprise. Troisième, c'est déclaration de l'amour lui-même. Déclaration de l'amour. À peine Zenesla est une fiancée, chaque jour, 50 SMS, je t'aime, I love you, dans tout langage qu'il connaît, Bojpuri, Urdu, Arabe. Parce qu'il n'est pas capable d'être dans l'amour sans une déclaration de l'amour. Quatrième dimension, c'est souplesse, flexibilité. Quand on compte un dimanche, nous pardonne tout, tout ça qu'il fait. La flexibilité. Et cinquième dimension, c'est ce que nous dire, secret. L'amour, c'est la complicité. D'un couple, plus c'est dans l'amour, plus monsieur et madame d'autres fonctionnent comme un complice. L'amour, c'est ça. Il y a une confidence, il y a un secret qui existe, monsieur et madame connaît. Troisième dimension, pas 40 là-dedans. Cinq dimensions, générosité, surprise, déclaration de l'amour, souplesse, flexibilité. Et cinquième, c'est confidence. Secret. Quand nous regardons la réalité dans Madan, nous voyons tous ces éléments-là présents dans Man, verset Coran et Hadith concernant Madan. Générosité. Allah fait comprendre, lui accueillir nous rosa avec une générosité extraordinaire, démesurée. Nous pouvons dire inconcevable. Quand dans ce mois-là, Allah ta il prend sa dîme qui garde Rosa là, il enveloppe dans son rahmat. Côté droite, côté gauche, devant lui, derrière lui, dans son assoir, dans son lisou, dans son grand-mère, dans son tantôt, il a rahmat, il a pardon, il a marferat, il a l'amour, il a possibilité, exauce sous mandoa. Qui quand les hadith nous connaît, qui montre nous ça, ça l'océan rahmat dans qui Allah met un dîme qui garde Rosa. Man sam ramadan, imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui garde Rosa, le mois de Ramadan, iman, avec iman, wahtisaban, avec l'espoir pour la récompense, Allah peut donner pour tout ce bon péché. Pareillement, c'est dans la journée d'asseoir. Man qama Ramadan, iman, wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui passe la nuit de Ramadan dans l'adoration de l'ibadat, il fait tarawih, il fait qiyamul layl, dirakat namaz, tahajjud, Allah peut donner pour tout ce bon péché. Bout en bout. Bout en bout. Et il y a man, mais quelque chose que, effectivement, sa générosité là, et sa proximité avec Allah, et une proximité qui permet tout ouvrir Allah ce trésor. Quand Allah dit, il n'est qu'arrive, proche avec les autres, ou dit, vous da'wat da'i iza da'an, vous ouvrez mon trésor, vous mettez dans votre disposition, vous répondez à l'appel de celui qui appelle moi, n'importe quand il appelle moi, demandez-moi de toi. C'est ça, Ramadan. Allah fait comprendre qui? Dans le hadith de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous comprenons, il y a trois djimouns, trois qualités de droit qui pas résider, qui l'accepter. Un doit un papa. Deuxième, doit un djimoun qui rosa. Troisième, doit un voyageur. Rosa, n'importe qui l'est, connaît qui est dans une hotline, dans la ligne de communication directe entre toi avec Allah. Sentir n'importe qui l'est, dans la journée, dans le grand matin. Dimandoa. Et demandez, Allah n'est pas fatigué d'entendre. Ça lui renforce sa lien, sa l'amour entre nous avec Allah. Parce qu'à tel point, Allah généré qu'il va comprendre que celui qui donne un dimon qui rosa, il donne lui son iftar, il y a récompense un rosa. Imaginez-vous, il donne un dimon trois temps pour lui faire iftar, Allah donne-toi sa récompense à 12 temps. Rosa qu'il a gardé là, il donne-toi ça. Sans qu'il n'y ait diminué pour lui. Ça, c'est la générosité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça, quand nous étions, nous remplissons pour cette vie de Ramadan, y aller même. Dans chaque minute, dans chaque seconde, dans chaque milliseconde, et dans ça, l'océan, l'amour, là, qu'Allah, il nous met devant nous.
Et ça, c'est dans la terre. Et dans Akhirat, Allah fait comprendre qu'il est là-bas, il est dans le paradis. Il y a un paradis. Alhamdoulilah, c'est la consécration suprême qui chaque dimanche aspire. Mais dans le paradis aussi, il y a la porte spéciale. La porte spéciale, et ça, c'est juste ce qui nous garde rose. Zotte qui bougent ça. Là aussi, dans le paradis, il y a un traitement VVIP. Qui fait? C'est l'amour. Pour qui ça qui vous réserve un traitement de soi? Quand vous faites un mariage, vous invitez du monde dans l'habitant. Vous avez du monde qui prosse avec vous. Right? Et c'est ça, mon madame. Ça, hein? Sur ma famille, vous venez là, garder la table spéciale pour vous. Hein? Garder un deck briani bien chaud. Garder l'eau d'âme. Vous ne pouvez pas les frais. Il y a un Pepsi, mettre frappé. Halwa, garder un petit bol halwa. Ce qui fait un traitement VIP, parce que c'est ce qui est content. Elle a fait comprendre ça même. Qui est ça, généreux. Il accueillir nos rosas, jamais avec mépris, jamais dans l'indifférence, mais avec une générosité, avec une beauté qui échappe à nos compréhensions. Ça, c'est signe l'amour, effectivement. Signe l'amour. Donc, générosité. En même temps, déjà, l'aspect dans Ramadan, il y a ça, élément de surprise. Élément de surprise. Elle a fait nous comprendre dans le hadith que nous citons de Bukhari, que tout nous connaît. Allah l'a dit, yatruku ta'amuhu, yatruku ta'amahu wa sharaba wa shahwatahu min ajli. Vous savez, éviter à l'équipe de se manger, se boire, se plaisir, la cause moi. La cause moi, min ajli. Asuyam ou li. Donc, rosa li pour moi ça. Dans notre place, nous comprenons toutes les actions qu'ils ont fait à faire, li pour li. Ou namaz li pour ou, ou hajj, ou omra, ou sadaqa. Mais rosa, Allah dit, ça li pour moi ça. Wa ana ajzibi. Dans sa déclaration là, wa ana, et c'est moi qui donne sa récompense. Et Allah son majesté, Allah son grandeur, Allah son omnipotence, c'est moi qui vous donne sa récompense. Vous imaginez nous? Un dimanche, vous comprenez? Venez aujourd'hui, moi invite toi pour dîner. Right? Bah là, disons, vous pas trop connaître. Right? Merci pour une invitation. Right? Un ministre puis invite tout, premier ministre puis invite tout. Hein? Moi qui peux inviter toi, et moi qui peux host ça dîner là, hein? Moi qui peux payer ça. Ça est de nous qui nous met tout ça. Tout ce goodwill, tout ce l'autorité, tout ce prestige. Allah dit, wa ana ajzibi. Qui récompense ça, Yarab? Une surprise. Ça, quand on vit, pour connaître. Mais garantie qu'il me donne, garantie qu'il me donne toi, pour tout le monde qui garde ça, il y a des moments de joie. Un quand il fait iftar, et deuxième, un daliqa et rabbi. Quand nous avons besoin de notre rabbi. Quand vous avez besoin de notre rabbi, garantie qu'il me donne, je suis très content que vous ayez une récompense qui est associée avec ça, rosa là. Chaque nafil dans un rosa, il rapporte 10 000 dions sawab. Chaque subhanallah, chaque rakat tarawi, chaque verset Quran, chaque sadaqa que nous faisons, c'est une générosité qui nous ne pas capable de comprendre. C'est un élément de surprise. Mais Allah donne une seule garantie, vous êtes pour satisfait. Donc, surprise, encore une fois, c'est une manifestation d'amour. Vous faites surprise à des gens qui sont extra contents, pas des gens qui sont plus contents. Pas mal de gens qui sont contents. Alhamdoulilah, on est content. Tout le monde dans ma zid, dans ma frère qui grandit ensemble. Mes amis, on pense pour faire une surprise. Mais vous faites surprise à mal de gens qui sont extra contents dans la crème parmi vos considérations. Allah dit à Zot, il y a une surprise spéciale pour vous. Pensez une grande rose. Pensez une qui vous mange, vous boire, vous plaisir. La cause, moi, mène un jeli. Et en retour, moi, ici, moi, qu'on retourne sa demande, sa désir pour que l'amour là, moi, pas indifférent à ça. Troisième dimension qui est là. Nous avons une déclaration d'amour. Ça nous dit beaucoup de fois ici. Même nous t'en pour 10e fois, même nous t'en pour 50e fois, il toujours fait plaisir dans les cœurs. Quand Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dit à Soussiyama, Wallahi nafsu Muhammadin biyadi. C'est lui qui est dans la vie de Muhammad dans son ami. La khaloufu famis sa'im atyabu indallah min rihil misk. Ça l'odeur désagréable, ça l'odeur horrible qui saute dans la bouche du monde qui rose. Le plus agréable à moi, Allah dit, le plus agréable à moi, qui est parfum misque. Subhanallah. Ce n'est pas pitié ça. C'est l'amour d'un état que nous avons imaginé. Dans aucun biais doux, ou pas dire ou fiancé, ou bien ou madame, tu connais gâté quand tu es content, toi, quand tu te lèves grand matin, là, ça piante, là, saute dans la bouche, il va dire diaphran, il va dire un mauvais dég, et son diaphran. Jamais. Ça, c'est l'amour de cette expression plus profond, plus, nous ne pouvons pas dire, plus intense qui nous comprennent. Et Allah dit ça. Dans aucun cas de Saint-Valentin, on n'a pas besoin de ça. Dans aucun billet doux, on n'a pas besoin de ça. Ça, Rabboul Alamin dit, Zis, à travers, et les causes singulières, les causes un par mis autres, à Iqbal, à Farida, à Rosida,
à Roxana, ça l'odeur qui saute dans toute la bouche quand tu roses. Hein? Pour moi, le plus agréable qui est pour faire mise, parce qu'il est extra content toi. Ou extra content toi. Malheur à nous, si nous ne paraissons pas décoder toute cette expression d'amour qu'il renferme dans ce moment de Ramadan. Là. Si nous payons ça, c'est là que nous Ramadan vient un calvaire. Il vient un cove, il vient une pénitence, parce qu'il nous rate l'essentiel, nous rate sa dimension, l'amour qui est central là-dedans. Premier, nous disons générosité. Deuxième, élément surprise. Troisième, déclaration d'amour. Quatrième, flexibilité. Souplesse. Couple de fait marié, chacun accepte son camarade, là, nous passons l'éponge. N'oubliez, mon petit manquement, mon petit erreur. Madame, tu connais mon gâté, je fais un bon masse-pain pour toi. Je dis, masse-pain. Je le disais, tu peux prendre le YouTube, tu peux faire un masse-pain, papa. Travaille pas là, quand il est qui vous venez. Finalement, les masse-pains récits sont après trois jours, les guettés, avec difficulté. Right. Ben, là, tu peux faire la différence entre. Si un masse-pain, pas beau, dès que ça qui m'a mangé là, non, masse-pain, ça. Aspect, alhamdoulilah. Right? Tu ne fais des faux, alhamdoulilah. Trois jours, tu lis Indian Delights, 25 calls, téléphone, téléphone Kala, téléphone Mama, téléphone Belser. Maspen, passe l'éponge. Tu ne fais des grands efforts, mon gars, alhamdoulilah. C'est l'amour, ça. Pas accepté. Right? Alhamdoulilah. On fait ce compliment, tout, machallah. Ça, super, alhamdoulilah. Parce que c'est l'amour. Dans l'amour, il y a souplesse, il y a flexibilité. Vas-y, ça. Ou extendre sa flexibilité, est-ce qu'à tel point, si bizarre couvert, ou madame prend ça, dans 10 mai, il y a un ton madame, tu sais, la cuisine hier, yeah, l'oublié, t'as un gaz. Gaz, en la nuit, dans l'imé. Non, non, parle, moi, ça. Moi, tu fais une sauve de l'eau à soir. Right, mon oublié, t'as un. Ou prend ça, dans l'eau. Qui fait? Parce que c'est l'amour. Ah, c'est écoute, dis ça, hadith, là. Si dans sa cause, oublié tout, ma zine, dis ça, bout là. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, j'ai un hadith. Quand là, il dit, il a nassiya ahadukum. Quand la haine parmi eux est arrivée, oublié. Fa akala wa shariba. Il arrivait manger et il arrivait boire. Dans le bureau que je travaille, maintenant je fais manger dans le grand Ramadan. Mes camarades, 10 dimoun, 12 dimoun, moi ici, je blié, je assisé, je mange, je mange briani, je bois Pepsi, je mange halwa, je mange des cerises. Quand le dernier, puis je mange cerises, je me dis, ça, mon carême aujourd'hui. Hein? Mon carême. Tout mon camarade qui est là, hindou, tamil, sinon je dis, mais t'as assez, mais tu vas remplacer ça. Tu as remplacé le jour, Allah dit non, peine pour remplacer. Rabbul Alamin dit non, peine. Même ton manger, ton boire, ton manger au halwa, avec ou sans sauce cerise, si ton blié, peine à remplacer. Fal yatim saoumahu, qui dit continue sur rosa. Subhanallah. Qui dit continue sur rosa. Namaz est un arcane. Si vous ratez un arcane, vous avez fait un namaz. Hajj est un Faraz, Arafat, ou bien président d'Arafat. Si jamais, dans le jour Arafat, tu fais un accident, ou dans l'hôpital, le restaurant d'Arafat, ou bien refaire. Right? Parce qu'il base, ça, ou bien repayer 150 000 roupies, et le jour, revenir faire Hajj. Ici, base rosa, c'est ce qu'il y a là, dit qu'il se mange, dit qu'il se boit, dit qu'il se plaisir à cause moi. Ça dit, moi, là, il y a assisé, pas oublié, il mange, il boit, il rote, Allah dit, continue ton rosa. Et pas dit, ça, c'est ce qui est extraordinaire, dit comment Allah termine sa hadith. Allah dit, ce prophète pour terminer sa hadith là. Nigeria, laisse-le continuer sur rosa. Fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Parce que c'est Allah qui nous donne le manger, c'est Allah qui nous donne le boire. Extraordinaire. Exactement comme ça, Michel qui prend ça. Tournez, ouais, gaz là, moi qui le laisse ouvert. Allah n'a pas dit, laisse-le continuer sur rosa. Parce qu'il ne fait ça pas oublier. Non. Laisse-le continuer sur rosa parce que c'est moi qui nous donne le manger, c'est moi qui nous donne le boire. Subhanallah. Imaginez-nous. Allah prend ça, sa action là. Il continue tout rose, hein? Et il ça erré, qui ça dit, vous voulez faire, pas oublier, Allah prend sa sauce, l'eau, lit, subhanallah. Il prend ça, l'eau, lit, pour dire que c'est moi qui ne fais qu'oublier, pas oublier ça, oublie ça, dit, là, il prend sa sauce, lui-même. Ça, c'est l'amour, Allah, subhanahu wa ta'ala. Et bout en bout, quand vous guettez, man, hadith, concernant Ramadan, nous pas gain droit, rate sa dimension, l'amour qui est central là-dedans. Et dans le cinquième, l'aspect, c'est secret, confidence. Nous arrêtons l'eau, là, nous faisons un petit tour. Dans Ramadan, ce que nous pouvons traverser, c'est un moment extraordinaire, un moment magique qui nous peut traverser dans l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. C'est sa retour qui Allah peut retourner, parce qu'Allah n'est pas indifférent envers nous. Sacrifice, sa retour qui nous peut retourner nous, dans nous l'amour, fait qu'il nous opère, dans, ou nous peut opérer dans une autre dimension, qui les autres dimensions, pas capable de comprendre, qui nous aussi, si nous ne faisons pas routine, nous pour rater, nous peut opérer, nous grand matin, nous tentons, nous assurons, nous les jours, fonctionner par l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Par la force de nous l'équerre. C'est pour ça que nous rosa dans Maurice 12 et temps, nous rosa dans
Mon frère qui est dans l'Angleterre, mon soeur, mon enfant qui est dans l'Angleterre, c'est un rosa qui est alimenté, qui fonctionne par l'énergie de nous les cœurs, par l'énergie de nous les corps. C'est ça la réalité. Ou garde rosa avec la force de ou les cœurs. Ou fait taraoui avec la force de ou les cœurs. Ça tcha-tcha 82 ans qui fait 24 taraoui. Après les sorties de haut, quand il est sur la case, il met réveillé, il est 3h du matin, il fait rien. Moulel, il fait sorti ça. Tcha-tcha là, il y a un problème. Varice, sur les cœurs, il est trop boussé, sur les reins, pas trop fonctionne bien. Pas guette ça avec un rigueur matériel. Il peut fonctionner avec l'énergie de son amour, avec la force de son cœur. Et ça, qui explique une série de réalités qui moi où nous n'arrivons qu'on prend dans ce mois-là. C'est qu'il ne peut fonctionner dans une autre dimension. Tout nous logique insensé. Tout nous logique insensé. Et là, nous capables de comprendre qu'on fonctionne dans nos relations avec l'étang, nos relations avec plaisir, nos relations avec casse. Tout cela insensé. Tout insensé. Alors, comme parmi nous, right, donc, les filles de tournée, Ramadan, nous ne finissons pas trop là, moi, je ne travaille pas avec eux. Mon pas pour travailler overtime. Et s'il y a un système de rééquilibre, si vous donnez-moi des missions, moi, allez. Les autres, mais qui fait les gens ça? Ils travaillent overtime, payez-les pour ça. Mais non, parce que nous rentrons dans une dimension quand l'argent est descend, et l'autre quelque chose qui ne prend valeur. Mais aide-lui, c'est une garde rose à la cause de moi. Sa dimension, Allah rentre dans nous, rentre au centre de nous la vie. Que tous nos mathématiques, toutes nos équations sans aide. Allah vient au centre, et à partir de là, il y a une série de réalités qui est dans notre vie d'enseigner nous. Nous ne connaissons la force, nous ne connaissons la nécessité pour nourrir nous les guerres. C'est pour ça que nous vivons dans le décret d'Allah. C'est pour ça que beaucoup parmi nous pourraient faire un khatam Quran, un demi khatam Quran, deux khatam Quran. Qui fait? Parce qu'effectivement, nous avons cette réalité-là, qui est autant les vitales pour nous nourrir nous les corps. Les 10 fois, 100 fois vital pour nous nourrir, nous les cœur avec des Allah. Et ça n'a pas de 5 ans. L'imam Taymiyyah, rahimahullah, au fait, c'est l'élève qui rapporte ça, Ibn al-Qayyim. Il dit, mon assis côté, il finit faire un namaz fajar. Il finit faire un namaz fajar, il continue à faire zikr. Jusqu'à pratiquement midi. Là, quand il est tout au moins, il dit avec ce élève, Taymiyyah, il dit, ça c'est mon nourriture, ça c'est mon nasta, ça. Si mon pas prend ce nasta là, je ne suis pas capable de fonctionner, je ne suis pas capable de vivre. Nasta, c'est quoi? Il fait 2 temps, 3 temps avec Allah. Ça, c'est Nasta musulman. Ramadan, il nous enseigne nous. Qui nous fortifie, nous vitamine, nous l'ampoule, les trouve dans avec Allah. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque un ruku, chaque un sijda, il vient renforcer nous les cœurs. Et nous fonctionnons avec l'énergie de nous les cœurs. Et là, qui nous capable de comprendre dans cette dimension-là, quand, par exemple, dans l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, même après, on va le mettre à table de Allah, il est au sol, il est mort, il est mort, il est ce garçon Abdullah. Dans ce moment-là, il n'a pas de, comme si il peut quitter son testament, il n'a pas quitter son conseil. Qui conseille dans ce moment-là, au magasin, où nous gardons nos enfants, disons, si vous êtes un businessman, vous êtes en train de faire attention à des magasins, right, tu vas en train de discuter, garde des gemmes là, right, vous donnez un conseil, c'est résumé de toute la vie. Quand on m'a mis à taper moi face à ce garçon, il dit comme ça, Tini Fem, dans ma caractéristique de la foi, et premier là-dedans, c'est God Rosa dans salaire l'été. Point. Tini Fem, dans ma caractéristique de humain, premier là-dedans, c'est God Rosa dans ma salaire l'été. On m'a mis à taper dans Medina, salaire l'été, c'est 52, 53, 54, 55 degrés. C'est ça qu'il est besoin comme conseil. Quand Abdullah ibn Amr ibn al-As, il vient avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ya Rasulallah, wallahi par Allah, la asoumanna al-nahar, wa la akoumanna al-layl, ma ishtu. Ya Rasulallah, par Allah, il fait serment, moi pour garder rosa tous les jours, et moi pour faire qiyam al-layl, tous les soirs, ma ishtu, aussi longtemps qu'il me vive. Je ne comprends pas. Il peut dire, il y a 365 ou 365 jours, moi pour garder rosa, et moi pour faire qiyam al-layl la soir. Mais il y a là qui logique ça. Ça, c'est une logique l'amour, ça. Tout le temps, nous dit le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas. Exactement ce qu'il dit, si nous comprenons, qu'il a foi à ses raisons que la raison ne connaît pas. Pour nous comprendre ça, il faut nous rendre dans le bain là. Il faut nous comprendre qui lui veut dire gagner l'amour Allah. Qui lui veut dire opérer dans l'amour Allah, subhanahu wa ta'ala. Et une autre dimension qui est centrale encore dans ce ramadan là, nous apprenons qu'il nous fonctionne soit divan regard Dimoun ou bien divan regard Allah subhanahu wa ta'ala. Nous fonctionnons soit divan Dimoun ou bien divan Allah. Pour les musulmans, pour lui, ce qui est important, c'est Zis fonctionne divan regard Allah subhanahu wa ta'ala. Faire tout Zis pour un plaisir Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ikhlas.
Et ça, c'est particulièrement important dans le Ramadan 2017 pour nous comprendre que le Ramadan nous enseigne la discrétion. C'est une vertu. Tout quelque chose, surtout dans nos relations avec Allah, les besoins faire dans un silence total. Et ça, c'est une dimension forte de la foi, ça, l'ikhlas. Faire namaz, la cause Allah. Faire namaz pour plaisir Allah. God rosa, pour plaisir Allah. Donne djimoun iftar, pour plaisir Allah. Faire sadaqa, juste pour plaisir Allah. C'est tout un. C'est un et c'est, en fait, c'est ça, c'est l'ikhlas pour haqiq, pas tout din. C'est une réalité din, ça. Si pena ikhlas, pena din. C'est ça que le Ramadan, c'est le mois de l'intérieur. Et le mois que nous cultivons de l'intérieur. Combien de fois il arrive dans un 6 jours là, on fait oiseau, on est un petit peu paniqué parce qu'on croit une gauze de l'eau, il descend. On croit, on passe. Et on trop de mots, croit. Right? Qui fait? C'est qui nous peut apprendre. Nous peut apprendre, oriente de l'intérieur vers l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Et nous redire ça, c'est particulièrement important. Qui fait en 2017? Parce que nous fonctionnons, aujourd'hui nous vivons dans une certaine forme d'exhibitionnisme. Tout ce qu'il nous fait, il faudrait que les autres, tout le monde connaît. Tout ça, même dans la vie privée, que ça qui est arrivé, puis si elle met un nouveau pyjama, un nouveau caleçon dessous, il fait selfie, il tire, il met le Facebook. Deuxième du matin, se met casser les réseaux portables, il regarde combien de likes, il y a rien. Mais dire, s'il y a beaucoup de likes, donc il pourront y mettre un caleçon dessous. Nous fonctionnons par regard du monde. Oh, Ramadan vient enseigner nous un autre paradigme, une autre réalité. D'où bizarre, nous succès trop dans fonction, dans nos petites actions, comme dans nos grandes actions, zis dans plaisir, Allah subhanahu wa ta'ala. Nous pourrons ici, quand Allah dit devant sa rosa, il met like. Nous pourrons ici, quand devant nous, pour nos namaz, Allah met oui, like. Pour nos sadaqa, Allah met like. Un seul like, nous besoin, c'est like Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça la réalité de Ramadan. Et quand nous avons tout le monde qui réussit, nous comprenons comment ça éclate, ça descend dans notre guerre. Quand nous lisons que Zainul Abidin, Ibn Ali, 10 enfants Ali radiallahu anh, pendant 10 bonnes années, les nourrit sans la case du monde pauvre de Medina. Sans la case, sans que personne ne connaît. Même pas ce mandi pauvre là. Il est venu dans la soirée, il prend sa sacration, il met devant la porte. Soit après Isha, soit avant Fadja. Il va ouvrir la porte, tout sacration. Personne ne connaît qui c'est qui me donne ça. Quand il finit mort, il arrête de gagner une ration. Et ben qui baille, il trouve trace sac sur ses épaules. Ben il connaît. C'est Zainul Abidin Ibn Ali. Pourtant, bon. Imam. Ibn Mubarak, Abdullah ibn Mubarak, un grand muhadith, faqih, grammairien, linguiste, poète, mujahid, un des man sommet dans nos man références qui nous est là. Un sommet d'élèves, il a été trouvé dans Dars. Quand il a été qui fait, l'élève a dit, il a été fermé. Il doit 10 000 dirhams. Prends renseignement, et qui sont là? Un tel. Il a dit, un tel doit être cassé 10 000. Il dit, ouais, vous venez payer toi. Mais une condition. Mais non, il y a 10 000 dirhams à l'époque là, l'équivalent à Zodi, il y a 700-800 000 rubis. Il y a une seule condition. Mais quelle condition? Si je vous dis, si elle ira de moi, il y a une seule condition. Tu ne peux pas dire personne qui s'en paye toi. Tu ne peux pas dire personne qui s'en paye sa dette là. Subhanallah. C'est une race humaine qui est unique, qui l'islam vient produire, un bandit qui vit dans le bien, pense le bien, pratique le bien, propage le bien, sans que tout le monde connaisse, juste Allah Ta'ala connaît. Parce que pas t'attendre ni remerciement, ni récompense, ni médaille, non, rien avec tout le monde, tout avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, ikhlas. Et Ahmad ibn Hanbal, quand il fait commentaire, le maqam, le darja, Abdullah ibn Mubarak, il dit une parole, il dit Abdullah ibn Mubarak, il atteint un tel degré, pour un secret qui tient entre lui avec Allah. C'est sa cinquième dimension de l'amour. Secret. Confidence d'un couple. Secret est associé avec l'amour. Il dit à Abdullah ibn Mubarak, il atteint un tel niveau pour un secret qui tient entre lui avec Allah. Une action qui est en secret qui existe lui avec Allah connaît, jamais il y a un troisième qui ne connaît ça. C'est ça l'islam. Dans ce moment là, c'est que si nous n'avons pas terminé par un conseil, augmente un secret entre nous avec Allah. Augmente un moment quand tu fais zikr. Avec tout seul, qui dit tout seul connaît, augmente le moment où avec ou en contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Faire namaz nafil, faire zikrullah, lire le Coran. J'ai mandoua pour tous ceux qui ont envie, augmente le secret en ou avec Allah. Secret, c'est un signe de l'amour. Et pas oublier que Ramadan, c'est qui commence parce qu'à ce finir, c'est l'amour Allah subhanahu wa ta'ala. Qul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Ce qui nous nécessite, c'est l'introduction de Ramadan. Ce qui, moi, Ramadan, les centre l'eau, sa notion de l'amour. L'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout dans sa mois Ramadan là, il a sa promesse là, une promesse pour gagner l'amour Allah. Et Allah ta'ala, de façon qu'il réponde à nous, Rosa, et nous trouve tout ça, ben, élément qui représente l'amour. Nous redire, générosité. Et na surprise, et na déclaration d'amour, et na flexibilité, et na souplesse envers nous. Et dernier élément, et na sa notion de secret entre nous avec Allah. Quand il dit, Anna Adzibi, moi qui vous donne sa récompense. Qui est sa récompense, Ya Rab? Un secret qui existe, Allah, Ta'ala, tu connais. Nous aussi, pareil, nous vous répondons par augmente ton ibadat, Alhamdulillah, profite de cette occasion, ce mois-là, c'est un moment qui vous passe bien, bien vite. Vous êtes capable de dire demain grand matin, ou vous trouvez persis dans ma zid pour namaz id, si tant le traverse vite. Augmente en quantité et en qualité nos désirs, nos volontés pour faire ibadat. Surtout, nous profitons maximum et redemandons le moment côté là, d'établir un secret entre nous avec Allah. Chaque secret dans ce pays en dehors, chaque subhanallah qui dit en cachette, chaque alhamdulillah, chaque lecture Coran, chaque rakat, des rapports gros. Parce que générosité, un rab qui remplit avec l'amour, qui remplit avec compassion, qui remplit avec l'affection. Pour nous, je demande à Allah fait que nous tous ici, nous récitons pas seulement le Ramadan, que nous récitons gain dans ce Ramadan, le cadeau qu'Allah t'a là, il nous renferme là-dedans. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين وفي غزة وفي أفغانستان وفي العراق وفي الشام وفي سوريا وفي بورما وفي ليبيا وفي اليمن وأينما يكونوا مظلومين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اشكروا الله على نعمه وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. وأقم الصلاة.